كل عبادة ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى دي دونز ان حديث مانيفيك ميستيريو عجيب. Toute l'action du fils d'Adam est pour lui. Sauf le jeûne est pour moi. C'est Dieu qui parle. Toute l'action de l'enfant d'Adam est pour lui. Sauf as-sawm. As-sawm. Sauf le sawm est pour moi. Communément traduit par jeûne. Sauf le sawm est pour moi. Et c'est moi la récompense. Wa ana ajzibe. Et c'est moi qui donne la récompense, mais aussi ça se lit, et ça a été compris, et c'est moi-même la récompense. Summa an siwa tuftur ala Allah. Summa amma siwa tuftur alayhi. Amsik amma siwa. تفطر عليه فالفناء يفني إلى ذاك الفناء. La porte de Baqa s'appelle Fana. La porte de Tahalli, Tahalli s'appelle Tahalli. صم عن نفسك وما فيها تفطر على أخلاق الله. Détache-toi de toi, tu vas te trouver à lui. Notre mère, Maryam alayha salam Allah, qu'est-ce qu'elle a dit? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insi. Donc, j'ai pas affaire avec le insi, j'ai affaire avec le rahman. Notre mère Maryam, lorsqu'elle a défini le saoum, le secret spirituel de saoum, elle a dit, lorsque lui ont parlé, elle est venue avec Sayyidina Isa, Ruhullah, elle est venue avec Jésus, l'enfant Jésus, dans ses bras. Et puis, ils ont commencé à lui parler, à la harceler. Mais c'est qui ça entre tes bras? Et à Maryam, comment ça se fait? Elle a dit un seul mot, elle a dit, parle Ishara. J'ai donné un vœu de saoum. Donc, je ne parle pas à l'humain aujourd'hui. En d'autres mots, il n'y a rien d'humain qui reste en moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'appartiens plus à moi. Aujourd'hui, rien de moi n'appartient à moi. Aujourd'hui, ana faniyatun an siwa bil kulliya. Aujourd'hui, il n'y a rien de matériel qui reste en moi. Le secret du jeûne, spirituel du jeûne, c'est un cheminement spirituel. Le secret du jeûne, le secret de Ramadan, le secret de Saum, c'est le même secret de Tariq. Parce que Ramadan, c'est un voyage. Ramadan, ça veut dire chaleur intense. Ramda, en arabe, ça veut dire... hein, la chaleur intense de midi qui fait cuire les œufs, qui fait transformer les choses. Les œufs qui, à l'origine, étaient bruts, pas mûrs, immatures, s'acheminent avec l'alchimie de la chaleur, ça devient cuit, bon, consistant, mûr, mature, et voilà. Ramadan, c'est une expérience, c'est un four divin afin de transformer, hein, afin de cuire nos immaturités, afin qu'on devienne plus mûr et plus mature. C'est un cheminement spirituel.